Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe et aujourd'hui c'est pour vous présenter un petit build sur le Paris Prime. Et oui, on va continuer cette série sur les arcs. Donc voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu ce build. Je vous rappelle que ce petit build est le mien, vous n'êtes pas obligé de faire le même. Simplement voilà, je vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec le Paris Prime. Et du coup, voilà, je vais vous présenter ce petit build. Donc on se retrouve sur le build, à tout de suite. Et donc on se retrouve sur le build, et sur le build du Paris Prime, vous voyez, on commence déjà par mettre 4 formats. Donc on commence par mettre une dentelure, on mettra un calibre pénétrant pour les dégâts de perforation, et oui puisqu'on est basé sur de la perforation, ce qui nous fait arriver à 2875. Ensuite on mettra le chambre divisé, évidemment pour le tir multiple, moi j'ai rajouté un gros calibre. On mettra les modes de critique, évidemment, donc frappe tendue et perception vitale pour les dégâts critiques. J'ai mis un marteau pilon pour augmenter les dégâts critiques et les chances de statut. Donc les chances de statut, vous voyez, on est même pas à 50%. Bon, après, c'est vous qui voyez si vous voulez rajouter du statut. Mais simplement, moi j'ai voulu augmenter le multiplicateur critique. Voilà, donc on est à 5-6. Et pour finir, j'ai mis salve des lames. Salve de lames, plutôt. Du coup, sur ennemi tué, on gagne 120% de dégâts critiques lorsque la visée est maintenue pendant 9 secondes. Et ça, c'est un mode énorme pour justement le multiplicateur critique, ça aide toujours. Donc effectivement on peut le voir, hein, je suis dans le simulacre, donc on fait quand même des critiques rouges, mais c'est vrai que du coup ça en fait un Paris Prime assez puissant, très puissant d'ailleurs. Donc voilà, donc je voulais vous présenter ce petit build. Moi je me suis fait un autre petit build à côté, parce que effectivement, alors attendez... Parce que effectivement, vous voyez, on a une recharge à 0,7. Bon, ça va, mais on a une vitesse de charge à 1. Et du coup, j'ai fait un autre build que bah, je ne veux pas vous présenter, mais que je veux au moins vous faire voir. C'est que du coup, j'ai remplacé marteau pilon par Sharpie pour augmenter la cadence de tir. Et on a à plus 1,2 de pénétration. Donc voilà, donc bon, je vous fais voir ce petit build aussi. Mais moi, du coup, mon build principal sera celui-là. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ce petit build vous aura plu. Ou l'autre hein, d'ailleurs, mais voilà, c'était pour vous faire voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec le Paris Prime et si ça en fait un arc aussi démentiel qui est super. Moi perso, j'adore, depuis là je suis à fond dans les arcs, j'adore ça. Donc voilà, donc bien écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, c'était Castelix, ciao ciao les amis.